Dans cette vidéo de chapitre 35 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation de la section 3.2 de Séguin. La situation 3, qui n'est qu'une suite ou qu'une extension de la situation 2, on la retrouve à la page de mes notes de cours, à la prochaine page, dans le bas ici, donc la résistance des deux fils qu'on avait en parallèle tout à l'heure, mais qu'on fusionne ensemble, et qu'on nous demande quel est l'air de ce fil fusionné-là et quelle est la résistance de ce fil-là. Bien, l'air, on l'avait déjà calculé à la situation 2, c'était le double, c'était 2 mm carrés. Et la résistance, bien, mon autre inconnu, si on veut, de mon problème, bien, le calcul qu'on a fait à la situation 2, lorsque la calculatrice nous retournait la réponse, est, de par les équations qu'on avait utilisées, nous donnait également la résistance finale là, qui était coupée de moitié. Donc la situation précédente là, traitait déjà toute cette situation-là, l'extension qu'on a ici.